Bon, aussi. C'est voilà, quand on a une place à Zaté, c'est une personne réponse. Le président est devenu le prophète Élie. Seul homme à disparaître. Il est de retour. Est-ce qu'on peut voir les images? Il est de retour. Non, le curé à la paroisse, Fatima, a dit clairement à tout le monde qu'il n'y a pas eu cérémonie cette semaine. La paroisse n'aïe. Oh, bon, image, image, ça mais qui? Est-ce que on peut illustrer les images? Aux pas, aux la paroisse est ici. La paroisse est ici, à 100 mètres, il y a siège, nous. Allez-y. On est allé, image publiée par la présidence. Si évidemment, vous... publié vidéo, parce que, après publication de la photo, et ça là qui est polémique, Yango va publier vidéo. Mais comment expliquer que le Premier ministre Azalité... Le président Yeboué, ni Bougoumestre à Gombe. Augustin, il y a des visages qui sont là-bas. Son Dirkab est présent. Le bourgmestre, pardon, Augustin Kabouya est présent. Mais c'est aussi une affaire, il y a famille, c'est une affaire familiale. Non, là, il est le président. Il peut se rendre. Il y a un ami tout officiel, garde officiel. Ça veut dire qu'il irait à l'Obi Claire, il y a paroisse. À l'Obi Wapi, il n'y a pas nan. Mais je vous demande d'aller aussi. Qui irait à l'Obi, ça fait 2 semaines, bah, ça a des cérémonies, moi, il y a commémoration, il y a mort à mon côté. Parce qu'au faut, sinon, ça a été un peu tout ça, on a combien de Notre-Dame de Fatima, on a qui ça, ça. À 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Le Congo restera un et indivisible. Sur votre chaîne du bon temps de télé comme vous l'aimez. Ici, on aime bien la profondeur, on aime bien les détails, et c'est ça même qui vous passionne. Merci à tous et à chacun pour le temps que vous prenez à regarder nos contenus. Mais s'il vous plaît, regardez, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, ça ne vous coûte rien. C'est une façon pour vous de nous motiver, d'encourager ce travail que nous faisons dans un contexte difficile. Parce que vous aimez les détails, ici, nous, on aime bien les détails. On a fait venir quelqu'un qui est foncièrement passionné du détail. Ndeko Marley Vouvou, bienvenue sur notre plateau. Merci Ndeko Jean-Pierre KMB, merci l'équipe Mbaya Politique en télévision, merci Nabakongo Magnonso. Parce que si aujourd'hui je suis en politique et encadré, c'est à 60% c'est Mike Moukeba Nkosso. Mike Moukeba. Michel. Clin d'œil à lui, à Mike Moukeba. Que un citoyen soit arrêté aujourd'hui, dans un mois, il va totaliser une année, 365 jours en prison, sans jugement. Sans jugement. Où est-ce qu'on en est dans Makambo, il y a document et qu'il y a une requête qu'il y a une cour constitutionnelle. Après 7 mois, la requête a été jugée irrécevable. Récevable mais non fondée.
Alors, il faudrait que la Cour constitutionnelle a une requête, a une cour d'appel pour que Moukeba ait jugé Banda. Qui est la Cour constitutionnelle? Et quand on a mis la greffe à la Cour constitutionnelle. Nous nous posons la question, pourquoi est-ce que greffe à la Cour constitutionnelle est coupée au Kangayango? Parce que la Cour est Kangayango presque une année. Mais dans ce contexte, on dit qu'on a une justice malade. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le procureur, Binobato Bazaï Kuna, on ne peut pas trouver la solution dans l'affaire Moukebaï. Non, c'est, la justice est malade. Oui, Félix, c'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises, mais la justice souffre de quoi? Quelle est la maladie? Parce que quand vous êtes capable d'examiner Moutou, il faut vous être capable de proposer une thérapie. Oui. Quelle est la maladie dont souffre la justice et c'est quoi la thérapie? Là, le président n'a rien dit. Il vient, il nous bombarde seulement, la justice est malade. Mais si la justice est malade, qui devait soigner cette justice? C'est lui-même. Donc un médecin qui vient crier que votre frère est malade, il crie pourquoi pendant qu'on lui a amené déjà les malades? Moukeba est selon la discrétion Moussoussou. Oui. Pour tout ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de Bagolo bagaye fois à la bongo pour se yaza kasayen 100%, il ne peut pas combattre son frère. Est-ce que tu sais ça, que. Ça, c'est selon quel principe? Est-ce que l'IDP, ce pouvoir, veut nous créer une société identitaire? Est-ce que Moulou. Alors, vous, vous voulez prendre cela au mot? Voilà pour la Kisabango. Qu'est-ce qu'ils allaient y angoter? Soit y angoter. Bon, libérer. Bon, libérer. Parce que, ils ont madame Milié, y a Batou Bazo dirigé Bissou. Et ils ont un millier de communicateurs à UDPS. Et ils ont même un millier de cabinets à président de la République qui doit être puni parce qu'il a trahi son frère. Est-ce que les Kassaïens qui souffrent au Kassaï là-bas, ben, ont le droit à Rosé? Donc, Moukeba, parce qu'il est Kassaïen, s'il trouve que. Non, ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Vous avez affaire raison également pour laquelle à un Kassaïen. Moi, je donne raison à ceux qui disent ça. Parce que. Pourquoi? Quelle est l'infraction qu'a commis Moukeba pour qu'une année après, il ne soit pas jugé? Or, dans le principe, il y a droit pénal. Ben, infraction à niveau pénal, ils ont requis célérité. Oui. Mais une année après, quelle est l'infraction? Liboso Babandaki, exactement comme dossier Salomo, Liboso Babandaki, incitation à la haine tribale. Nous avons détruit cet argumentaire parce que l'incitation à la haine tribale est définie comme. C'est comme un individu d'une autre tribu qui soulève les gens de sa tribu contre la tribu Moussoussou. Or, Moukeba ici est 100% Kassaïen, Moulouba. À ce moment-là, on a besoin de bandeau, on a besoin de difficultés. À ce moment-là, ça conseille de bandeau. Ce n'est pas de l'incitation à la haine tribale. Merci bien. Pensez à Mike Moukebaï. Nous voulons voir Moukebaï dehors parce qu'une année après, c'est trop. Donc, il n'y a aucune différence entre Pyongyang, le régime Pyongyang, le régime Poutine et le régime Tshisekedi. Mais Kassi, procureur, près la Cour de cassation, na kanis na bande kumosusu kuna bakenda ki na makala. Quand on a alerté qu'il y avait un vieux prisonnier qui alignait 21 ans sans jugement. Kanisa qui va compter l'appel de Kamamoukeba, comment Boni Boni, il y a Oumeli Kuna salué presque une année maintenant sans jugement. Donc, je suis papa ya Moukolo, papa ya Bana. Je suis en affection à la famille. Il y a la famille biologique, il y a la famille. Bino Bandekone, c'est beaucoup de gens qui plateau. Donc, tiens, Moussika pour rien. Mais il n'est pas seul. Quand on prend Jean-Marc Kaboun, je vais vous surprendre. Vous avez dit que le jugement condamné Jean-Marc Kaboun n'existe pas. Ah bon? Exactement. Faites un tour à la Cour de cassation. Oh, Makambo, il va condamner à. Parce que si vous condamnez, si vous condamnez, il faut vous notifier. Vous avez une possibilité à vous saisir parce que dans la Cour de cassation. Ouais. S'il ne trouve pas de solution ici, il y a des instances au niveau international. Il n'a jamais été notifié. Il n'a jamais été notifié, non seulement jamais notifié, mais le jugement n'existe pas, l'arrêt n'existe pas. Faites un tour à la Cour de cassation. On l'a fait condamner sans rédiger l'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Je mets même le procureur à la Cour de cassation, le premier président à défi. Les avocats, ils ont mis à 1,5 million francs pour obtenir ça, la levée copie. Le gars va notifier, tout ça a quand même levé copie bisomo. La facture existe, mais arrêtez.
Pourtant, Isaïe Makama Mike Mike était. Et maintenant, la question, niveau Tosanango, Lelo, même sous Kabila, on n'a pas vécu ça. On te condamne, c'est un droit. Oui. Mais ici, pas condamner Moutou. Quelle que soit la taille infraction commise, Moutou a le droit de la notifier dans le jugement. Absolument. Quand a épuisé, il y a un recours dans l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Mais jamais Kabou n'a jamais été notifié. Et l'arrêt, on a notifié. Ce pas notifié, c'est arrêt quand même, il y a quelque part dans le tiroir. Oui. Mais l'arrêt n'est même pas dans le tiroir à cour de cassation. On l'a gardé quelque part au carrément. Aux dernières nouvelles, on dirait que l'arrêt se retrouve ou se retrouverait à l'ANR. Je me pose la question. L'ANR enquête en amont, arrête et défère devant le cours des tribunaux ou l'ANR est là pour contrôler les arrêts et jugements. Bien, on va fouiner quand même de très près dans l'affaire Kabound, on a coyé où se trouverait l'arrêt le condamnant. Zali Malamouté. Il y a un pensionnaire, quelqu'un qui a rejoint la prison de Makala hier soir, ou ce sera peut-être ce matin, Moussa Mondo, ancien vice-ministre à hydrocarbures, membre du PPRD, radié temporairement. Il a été jugé et condamné en flagrance, lobby. A condamné à 20 ans de prison ferme pour un homicide volontaire sur sa femme. Mais ce matin, nous avons d'autres informations. Information, tous une attendre, expertise légale aidant, lobby, l'épouse Moussa ne serait pas décédée des suites des coups qu'elle aurait reçus. Selon ma information, tout ça qu'on continue qu'on certifier, l'épouse Moussa était plutôt malade et atteinte d'un cancer. Mais dans tous les cas, Ndekomoko m'a fait réfléchir à Lobi Boye. Une certaine opinion soutient que la défunte a succombé des coups portés par Moussa sur elle. Ces derniers soutiennent le contraire et parlent du cancer dont serait atteinte son épouse, attestation médicale à l'appui. Voilà un procès, Moussa Moutalouba Kimakamouana. Est-ce qu'un dossier, un tel dossier pouvait être jugé sur les fonds en dehors de toute investigation sur les faits allégués en faveur ou en défaveur de l'accusé? Pour des affaires criminelles, d'ailleurs, pour toute commission de l'infraction, l'intention du coupable détermine la qualification juridique des faits. On va supposer que Moussa soit l'auteur de la mort de sa femme. Avait-il l'intention de donner cette mort ou pas? Et dans ces cas, parlerons-nous de l'homicide volontaire ou de l'homicide involontaire, voire d'un crime passionnel? En considérant que la charge de la preuve incombe donc à l'accusation en droit pénal, le parquet a-t-il présenté devant les juges de fond un dossier totalement dépoussiéré? On est allé un peu plus vite, sans faire appel, notamment à l'expertise médico-légale, pour attester si vraiment la femme, l'épouse Moussa, paix à son âme, a confié parce qu'elle a dit ma confié bambata, toi, elle a dit qu'elle a dit. Moi, j'ai toujours eu comme impression qu'il faut fermer la faculté des droits. Parce que quand il s'agit de mort d'homme, il fallait qu'il d'abord basé l'expertise médicale. À Koko Zobakou. Ouais. Mais est-ce qu'elle n'était pas malade? Là, elle n'a pas sa justice, idée globale. Est-ce que Azaki est malade? Et Bakouana est accentué malade? Ou est-ce que Akoufi est réellement la malade? Parce que Balobi a procès, Mokomo Salobi, moi si Naye Azaki n'a cancer, et on est bon. Mais bien, attestation médicale à l'appui. Oui. Mais quand maintenant le procureur ou la justice a condamné Moussa, ils ont brandi quoi? Parce que la justice aussi. Et vivre en théorie, il y a une théorie, il y a un acte contraire. Oui. C'est-à-dire que quand on a dit à Koufi na cancer, la justice devait présenter contraire, il y a une attestation médicale. Alors pour ça, il faut aller à l'hôpital, il faut requérir l'expertise. Mais déjà, va condamner Moutou. Déjà, va condamner Moutou. C'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Est-ce qu'il y avait besoin de flagrance? Est-ce qu'il y avait procès à flagrance? Parce qu'il fallait d'abord checker les corps, que les experts. Parce que la Moussa na bango, baye, babino. Parce que ma expert médical, ba hotela. Est-ce que ba kouane zagi na quelle énergie ba utiliser? Ba kouane zagi ba place nini?
cancer est à un niveau nini. Et c'est cancer n'est pas développé cancer moro, une étape embryonnaire. Elle était suivie dans un hôpital. On pouvait faire recourir aussi. L'expertise à même hôpital. Pourquoi bas ça l'est en je n'appuie pas Moussa Mundo qui a bête non, personne ça, ne peut soutenir la violence jamais, conjugale. Jamais. Non, on ne soutient mais pas ça. La justice doit aider le pays. Ce n'est pas parce que Moussa Mundo a bête et que la femme a succombé. Il faut tout de suite condamner Moussa 20 ans de prison sans aucune expertise. Est-ce qu'on peut dire que Moussa Zali victime il y a opposition naïe au régime? Quelque part. Il fallait passer à la proposer. Le problème à régime, ou même la justice sous régime. Ouais. À chaque dossier, on a l'accès à amateurisme, mais il y a un niveau l'icolo. On pouvait faire ça proprement. Le médecin sollicite, le parquet ou le tribunal sollicite l'expertise médicale, la contre-expertise, qui va s'aller en baillé, Moussa l'a dit. Non, elle était effectivement malade, mais c'est que, Sali Yakou, Faisaba Kouyo Pessie, malgré qu'elle était malade. Mais le tribunal et le parquet incapables de démontrer. C'est le Moussa Mundo qui a démontré que sa femme était déjà malade. Alors, on a quand sa condamnation, on a petit degré, il y a malade, comme il a dit, il y a cancer. Parce que à cancer, par exemple, il y a Salomon. Tant que ça, il y a un cancer. Salomon, est-ce qu'il y a un cancer? Non, ça a développé cancer, moi, étape embryonnaire déjà. Ok. Le garder 5 mois de plus ici, il allait mourir. C'est pourquoi, dans sa mission, il y a un cancer, il y a un cancer. Parce que, soit qu'il est debout, il y a une chaise roulante. Et il est maintenant. Il est toujours hospitalisé. Hospitalisé en Belgique. Au moment où il y a une image, il y a une image de son maître avec un grand écran. Au moment où il y a une image de 16-9. Mais en réalité, on a voulu tuer un innocent. Quand on a arrêté Eric Kouba, le cerveau moteur, entre guillemets, à un moment là, il n'a pas cité Salomon. Alors, moi je comprends, on a libéré Salomon après avoir arrêté Eric. Toutes les informations données sur Salomon, Zagi à Lokuta, elle a des miyabs. Et Jean-Pierre Bemba qui l'a affirmé pendant la campagne, ils étaient tous dans la rue aujourd'hui. D'abord, encore qu'il y a une information, Eric Apesi, Tebele, Baza, qu'on remet en question. Non, déjà. Bamisusu, Tomonio Lenganko, Yako Tamouana, Bamouana, Yena, qui s'en sort. Celui qui a abordé la question, je vais vous faire des révélations et le pourquoi Baboui Kabouya Zala a posé candidature en Aïe comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quand on va arriver là-bas, on va expliquer. Ils ont lié dans ma Kamouana. On va expliquer, on comprend là-bas tout. Non, le Bakam Balamango, pour que vous compreniez. Ils ont voulu tuer Salomon, Salomon, on a un cancer. Et bien, si on est en Belgique, clairement, si on l'avait gardé 5 mois de plus ici au pays, donc, chéribin. Donc, ils ont évité que chéribin soit couffé là-bas, on a mabongo. Alors, affaire à Kabou, il y en a à Eric, parce qu'il faut tout avancer. Ça veut dire, Eric Kouba, quand on l'a arrêté, la DEMIAP a commis une erreur. Il y a Rousseau Abilo, qu'on a déjà, aucune loi autorise aux services de sécurité, battre dans un rapport de presse. Ce sont des services secrets. Bango misana mo basa kango na kuku ya kubatama basali esi batindi na parquet mais bango ba comme d'habitude déjà ça c'est la deuxième fois. Est-ce que c'est pas pour raison de transparence ba imbo kabaye ba offert déjà ils ont arrêté Eric Kouba le 3 janvier na Dar es Salaam. Ouais. Ba yena yao quand vous suivez la vidéo quand Eric Kouba lobi là c'est moi tant on a douté. Tant que Eric Kouba dit, Eza, ancien président. Ancien président, il est dans le Joseph Kabila. Mais qui a demandé à l'OPJ? Il dit, Joseph Kabila. Vous avez une vidéo. Mais ancien président, en vie. Alors, il y a précisément en vie ou pas. Il ancien président. Au bout de c'est un ancien président. Mouzé, c'est un ancien président. Quand vous c'est un ancien président. Mais qui ne sont pas en vie. Comment est-ce que l'OPJ a-t-il droit pendant l'audition d'aider les détenus. Dans mon monde, député Mogo Yakala Yakasai, vous avez la vidéo. C'est l'OPJ qui cite Claudel Lubaya. La vidéo existe. Dans le DG Mogo Yakala, ancien DG Ogefrem, l'unique DG Ogefrem vivant, ancien DG vivant, c'est Patient Saïba. Non, il y a Emile Ngoïka Songo. Voilà. Mais bon, il y a une vidéo. OPJ Mdatangi. India Omari. Et Abino. Patient Saïba. Oui. Est-ce qu'en droit,
un juriste, un professeur d'université à droit. Ce qui, au télé vidéo, à Yoka, si un OPJ a ces droits-là pendant l'audition. C'est ça, c'est ce qui me pousse à remettre en doute. Est-ce que ça ne veut pas dire que Bayoka qui avant, que l'OPJ était au courant de certaines informations. Mais un OPJ sur la place publique, OPJ doit rester discret. Il fallait continuer à poser des questions jusqu'à cette heure. Parce que ce sont des gens censés être connus par lui. Alors, parce que l'OPJ a un bango. Comment on a un bango qui a un bango qui a un chaîne politique on a ni. Journaliste à Kovo. Je ne remets pas en doute le travail de MIAP, mais la manière dont va procéder quand je vis étant que Moutoua Kenda classe, étant que Moutoua il y a un problème. Mais Marama Kabou est où? Quand c'était Kabou et Amoudabanda qui ont avant, à Kenda Kouna n'a pas de problème. Parce que moi je demande à ceux qui ont été en 10e, il faut pas 4 ans. Ah, on en a besoin, on en a besoin. Non, bakati pe na secret réplique, bakati ki bazo tonga. Voilà parce que son mutazo vana na se anzete. Azara na fraîcheur mon niveau cerveau. Mais kabou y a un cerveau qui chauffe à tout moment, c'est un problème. Non, ça a retiré. Je retire comment c'est la vérité. Il faut qu'on retire. Mais pourquoi bakati ba nzete na ba université? Pour que toi se rafraîchir de temps voilà, en temps. Voilà, mais bataille des pèses va dans sa l'ombre. Baza dans sa banzété, mais tel comportement là bon. Le cerveau chauffe à tout moment. Alors, ces arbres ne servent à rien, il faut couper. Il faut couper. Kabouya vient là-bas, il dit Kabila Nemoutou, Aza cerveau moteur et financier, peut organisateur à 1,23. Vous êtes en train de dédouaner Kagame. Vous êtes en train de dédouaner Kagame. Avant que Tshisekedi akoma Eli ali moi Azalaki na Rwanda devant Ramaphosa Bill Clinton Sarkozy João Lenin. Non ça personne ne l'a certifié na lobi na yoboyi l'ordre venant de Tshisekedi que Kabuya ne soit pas candidat président vice-président de l'Assemblée nationale à partir de la Kuna Kagame a mis des deux vidéos de la Demiap et de Kabuya dit qu'on me cite un seul Rwandais si pas moi un seul Rwandais cité dans des vidéos. Ça, c'est leur service. Ça, c'est l'homme du pouvoir. Oh! Bisona Babolon, nous avons gagné. Bozo l'a fait Kagame. Kagame, ces réseaux, ils m'ont tout chez ma casse. Ils vont utiliser ces vidéos. Vous accusez seulement des Congolais, mais à l'international, vous portez une autre thèse. Alors, Kagame a dit à tout le monde, vous voyez que c'est un conflit congolo-congolais. Évidemment, c'est le discours qu'il soutient, la thèse qu'il défend depuis toujours. Même si nous n'avons pas de certitude ici que le président avait fait escale à Kigali, personne ne sait non plus où est-ce qu'il était. Bon, aussi. Et voilà, quand on a une place à Zaté, c'est une personne réponse. Le président est devenu le prophète Élie. Seul homme à disparaître. Il est de retour. Est-ce qu'on peut voir les images? Il est de retour. Non, le curé à la paroisse, Fatima, a dit clairement à tout le monde qu'il n'y a pas eu cérémonie cette semaine. La paroisse n'aïe. Oh, bon, image, ça dit. Est-ce que on peut illustrer les images? La paroisse est ici. La paroisse est ici, à 100 mètres, il y a siège, nous. Allez-y. On est allé, image publiée par la présidence. Évidemment, on va publier vidéo, parce que, après publication de la photo, et ça, là, qui est polémique, Yango va publier vidéo. Mais comment expliquer que le Premier ministre Azalité... Le président Yeboué, ni Bougoumès Rayagombe. Augustin, il y a des visages qui sont là-bas. Son dirkab est présent. Le bourgmestre, pardon, Augustin Kabouya est présent. Mais c'est aussi une affaire, il y a famille, c'est une affaire familiale. Non, là, il est le président. Il peut se rendre. Il y a un ami tout officiel, garde officiel. Ça veut dire qu'il irait à l'Obi Claire, il n'y a pas Oise. À l'Obi Wapi, il n'y a pas Nan. Mais je vous demande d'aller aussi... Il est à l'Obi, ça fait 2 semaines, bah ça les cérémonies, moi y a commémoration et mort à Moutouki. Parce qu'au faut sinon seulement c'est bisous. Tout ça on a combien de Notre-Dame de Fatima n'a qui ça ça. Parce que justement, quand les gens ont commencé à se poser des questions, je vais vous lire rapidement le tweet du confrère Steve Wemby fait hier. Il s'est posé des questions, il comprenait pas. Il y a mon gars publié à qui? Ma photo Wana. A publié qui ma photo? Y a Tata Bokonzi. Na mes Wana. Ndeko Wemby, a zongi li susu ye mokolobi, a komituna. A za komituna, yidi,
Mais comment expliquer? Je vais vous lire ça rapidement, c'est important. Parce que Sengeli, oui, il dit ceci. Je me pose la question sur cette information d'une messe à Fatima. Premier ministre absent, donc. Premier ministre en temps et sortant. Gouverneur de Kinshasa absent. Bourgmestre absent. D'habitude, on diffuse en direct sur la RTNC. Hier, une exception. Voilà de Kowembi. A publié Tutoana sur un autre tweet qu'il avait publié lui-même. À l'objet, le président a pris part ce lundi 15 avril 2024 à Kinshasa à la messe d'action des grâces célébrant le 4e anniversaire du décès de Mgr Gérard Moulumba Kalemba, ancien chef de la maison civile. Alors, n'a pas quoi ne, n'a pas quoi ne, de Kowembi à Zongi, na vidéo. À l'objet, le président de la République à Kinshasa, une vidéo qui tue une rumeur. À tier, vidéo, il y a 4 minutes. 14 secondes, comme vous les voyez à la télévision. Tant que concerne Paulette Rimoud, elle a aussi écrit le curé à paroisse à l'obi, basali cérémonie. Oui, mais curé à l'obi, à l'obi, à l'obi, rapidement, Paulette Kimuntu, à l'obi, là, qui wapi, parce que, Mikolo, il y a des réseaux sociaux, faut toujours koyeba, nani à l'obi nini, nani à l'obi nini. Le sujet d'actu demeure un mystère. Le président est-il au pays ou pas? Le président a-t-il assisté à une messe ou pas? RDC pays des mystères des Ali, Namur Andeko, Paulette Kimuntu, Tokiti Tokiti du Soussou. Bon, dans tous les cas, on a une vidéo. Ceux qui sont allés y ont été parce que Namoni Pata, Lelo Natongo Napoto, Bandegba Kobingangaye, mais Kasi, Bongo gouverneur à Kinshasa Zalite, Bongo Tel Azalite. Je considère que Zali. Cérémonie privée, familiale. J'ai par contre reconnu quelques visages dans la vidéo qu'on va publier. Cérémonie familiale, le directeur de cabinet là. Oui, en tant que plus proche collaborateur du président. Na moni ba tebelete, mais na moni kabouya, na vidéo qu'on va publier, kabouya Zali. Si quoi démarche Zali, à Kende, peut-être na Fatima. Kende. Pour demander, poser moi, la question. Je vous demande officiellement d'aller. Tu Kende na Fatima, parce que. Le kiré a dit, il n'y a pas une cérémonie là-bas. Ma kambo ya ko souka na ba vidéo en internet, et zay na ba vidéo moussous, pa koliko bini, sa mou la contexte. Voilà même la présence de la République en même temps agir dans les réseaux sociaux. Justement, justement. Quelqu'un nous a interpellé hier, il ne suffit pas. Président, la première institution de la République, a koumi ko agir dans les réseaux sociaux. Nous irons, toko kende na Fatima. Qu'est-ce qui manquait à Tina Salama le kana RTNC a démontré Mambo a publié. Pourquoi il y a eu des pèses dans sans été les grands RTNC, mais le président se déplace, zéro image, même pas le journal télévisé. Et d'ailleurs, même extrait le journal télévisé. C'est une vidéo d'amateur. Est-ce qu'on peut revoir ça, Moussousou? C'est une vidéo d'amateur. Vous sentez qu'elle est filmée avec un téléphone, basangisi image à téléphone portable. Vous sentez que ils allaient image d'amateur. Mais dans tous les cas, si c'était à Fatima, c'est une bonne chose. Ce qu'ils allaient à Fatima, on n'a même pas besoin de retourner à curé. Parce que na Fatima, bah ta cabine, bah la kawana, bah chayer, bah la kawana. Bah tu vas être belé, voilà. On retourne à Israël, bah la kawana. Imagine que Fatima est quand même une RTN CD. Mais bah ça l'image d'un téléphone. Non, ça peut arriver que Tata, et c'est que Tata Mokonzazali, au coquille coco, Tata, on s'improvise, on va dire qu'on filme. Tout comme il y a des cérémonies, s'il vous plaît, là c'est important. Il y a aussi des cérémonies au Batbarlinga, éthique dans le cadre privé. Parce que vous surmédiatisez ça, et ça, qu'on rappelait ma souvenir, ma cassi, surtout quand on sait que Monseigneur Moulumbazalaki, Moko, y a papa, y a Tikalaki, n'a pas moui. Bango, bah, publiera même président de la fête, y a Jolia. On a parlé des erreurs du passé. Il y a même photo pour le président pour le protocole. On a parlé des erreurs du passé qui doivent s'arrêter. Et quand vous arrivez, oh, ma cambo, il y a ma tanga. Souvenir, il y a ma kasi. Quand vous avez ma maman tanga, on peut que ça vienne même RTNC à l'obélan. Attends, il va inviter. Bah, l'obélan, on a un journal. Bien. On aura des précisions dans les jours, dans les heures qui viennent. Dans tous les cas. Fatima et Zaline, c'est là que les carrières réunion sont. Il y a un autre moni. Débat est comme ma casse, il y a été bon dans la vidéo. Mais dans la Congolais, Aza Kondimate, Kokenle, Kotuna. Base à la simple, le président Akenaï a décidé d'aller miner au Jérémboka parce que. Non, il est là, le président est là. Il est là, il est en France devant Macron, à l'Obeke, où il a demandé, il a dit que c'est épuisant.
Il avait dit plus de deux mandats. Plus de c'est deux mandats, prison, c'est alors, prison. Parce que le président ouais. Monique Arruda n'a déjà épuisé, il a tout donné. A qui n'a écoupé, moi. Il va déclarer vacances au sommet de l'État. Le pays doit continuer. Merci bien. Parlez-vous, vous. On s'amuse bien. Mais l'information officielle à retenir, c'est que le président se trouve au pays. Ça, on s'en tient à la partie officielle. Et j'ai aussi des sources. Mais quand la partie officielle, on a... Nazaïna, ma source. Le président est en déplacement. Tout n'est pas les déplacements. Nazaïna. Ils ont défini comme mouvement d'un groupe d'individus, d'une communauté ou d'un individu qui a un point X pour un point Y. Banda Baloba est posé un déplacement. Point X, c'est le Congo, nous l'avons vu prendre son avion. Le point Y, c'était quoi? Bien. Là, la question est un mystère. Mais une source sérieuse m'a certifié samedi dans la matinée que le président a regagné Kinshasa vendredi. Une source généralement crédible m'a dit, Jean-Pierre, comme le président est de retour, on va accélérer la formation du gouvernement. On a tout nié. Azongi, Aibisinga, oui, Azongi, Kulubina, pourquoi? Et d'autres sources ont corroboré cette information. Bon, on continue quand même. Dans tous les cas, on finira toujours par savoir si le président est au pays, s'il ne l'est pas. Et dans tous les cas, on n'a pas intérêt à nous cacher l'information parce qu'on finira par le savoir. Mais version officielle, on s'en tient à ça dans un premier temps. En attendant, plus d'informations. Mikolo a publié Makambwebele. Il y a des tournements. Il y a quelques jours encore ici avec Ndeko Claude Machala. Bana obeta li solo. Makambwa contrat oyo Ndeko. Bandeko Bazwaki. Kuna na ministère des Finances. Contrat ya un de puits d'eau et de lampadaire. Un puits d'eau à 200, quelque chose de 1000 dollars. Et j'ai constaté dans les liens que vous envoyez quand vous partagez, bah, contenu d'ailleurs sur Internet, que vous avez particulièrement, Ndeko Marley, beaucoup d'éléments sur ces marchés qualifiés de gré à gré qui auraient été cédés à Ndeko Mike Kasenga. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Naébité, Ndeko Jean-Pierre Kayembe, ceux qui sont congolais, tu auras conscience. Ce exacte que tu as relevé là que Congo tout ça n'a encore qu'un manque faut qu'on protège Congo mais que besoin de détruire Congo et le Congo n'a pas détruit ça rien monté le Congo est détruit par ses propres enfants Mboka Oyo Nicolas Kaza dit depuis qu'il est ministre des Finances même Bambongo va sinistré il va ouvrir non mais Bimana procéder aux urgences Mboka Oyo Bitumbeza Nanou babimisa mbongo ba soda na procédure d'urgence. Et on est secret défense, on en parle peut-être pas trop. Mbongo ba policier nanou bimana procédure d'urgence. Les médecins, les enseignants nanou ba futa bango na procédure d'urgence. Et on est ba charge permanente. Et on a OK noté. Même si tu de l'eau, ba sinistré, fonctionnaire ba zaïra ne payer té. Ba sinistré. Blou ba urgence yango ba banda ko kei, ba ba perdre biloko ba zengi place ko lala. Maintenant, le biman a urgence. Parce que ça a informé le rôle en la sinistre, la estéwana et belé, tile l'eau, basan, basouan, nan, l'État a s'occupé de la baronté. Nous avons des déplacés de guerre. Au monde, on a un déplacé, on a une église, on a un poto, on a un bas, on a un là. Là, Nicolas Kazadi, pour lui, il n'y a pas d'urgence. Mais il y a urgence pour Nicolas Kazadi quand il faut payer 27 millions à Mike Kasenga. Parce que son vrai nom, c'est Mike Etienne Kasenga. Parce que si Mike Kasenga, moi, ça ne l'a pas. Donc, c'est Mike Etienne Kasenga. Nicolas Kasenga a foutu 27 millions de dollars dans la procédure d'urgence. Quand tu as enquêté, Mike Kasenga a accusé Nicolas Kasenga. Voilà là où l'urgence vient. Ah, c'est mon cousin. Là d'abord, il a reçu l'argent. Pourquoi? Pour quelle raison? Mike Kasenga pour la bateau baie biété. Azalaga na INSS autobenga le CNSS sous mon bout. A qui m'a pour la détournement? A qui va en Belgique? Quand mon bout a koufi, Mouzaye a zongi wa Mike Kasenga.
a une entreprise moi y a construction, Moïse lui confie le marché au Tonglabiso Babalabala. Comme Moïse c'était un bon président, sera Pessi Moussala, la nuit, Sambino Boyeba, il fait le tour pour inspecter Akuta Motwana Tonganzela et Isaginique. Nous a bengué, gangué. Par quel mécanisme? C'est parce que c'était un repris de justice, c'est un évadé de la prison. Là, sa condamnation n'était pas épuisée. Akima a se retrouvé en la Belgique du Sousou. Na 18 ans, Joseph Kabila, Maïka Seng a zongati. Même pendant le FCC cash, a zongati. Il a fallu que Nicolas Kazadi. Bon, Azonga peut-être sans qu'on s'en rende compte. Azonga, je vous dis, ils sont là, qu'ils viennent contredire, le plateau est là. Il fallait que Nicolas Kazadi, comme ministre des Finances, son cousin, de Maïka Senga, et Azongi, à l'objet que Bakanaka est arbitrairement, il ne faut pas dédommager. Quel est le procès, Salama Moutamonate. Qui ont été les avocats de la République Moutamonate. Mbalamoka a procédé d'urgence 27 millions. Est-ce que vous avez pu enquêter au niveau de la greffe, Kuna, tout ça pour savoir s'il n'y a jamais eu procès? Tout procès ou pas, mais quelle était l'urgence par rapport à l'urgence sur Natangia où il y a des sinistrés, il y a des déplacés de guerre, il y a des gens qui ont 32 millions de ses enfants qui vivent sous insécurité alimentaire et qui. Bon, oui, il faut travailler, c'est peut-être. Est-ce que les Allah quittent parce qu'il y a Naki Moussala a financé la monde de République, comme on appelle ça, la dette. Eh, pour que l'État quand même injustement. La dette intérieure. Pas de dette intérieure, je ne veux pas d'un procès, il y a pas de acquiser l'État, quand même arbitrairement. Donc, il ne faut pas dédommager le temps perdu en la prison. Ou à salarié, ou à estimer un salarié. Sans battre, il y a un bon mois, ou à pas mousé, ou à pibanzela tongara. Ou à l'alibosu. Maïka Senga, ou à azamouninga, mounene sousu ya Vital Kamere. So, à société, na estuver construit. Et ça, là, Willery Modeza. Au Pessi commune à Lingwala Mukongo, au Tali commune à Kijanetro, qui est avenue Wangata, pour moi, le pongo va tchaba conteneur rebelle. Société ya Wana. Yena Vital Kamere, quand Kabila avait vu Bukangalonde au produit, Kabila avait décidé de créer plusieurs Bukangalonde dans chaque province pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et de produire plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le régime change. Déjà, il y a un engin. Pour lancer la deuxième Bukangalonde, et Kamere va profiter de sa position comme directeur de cabinet. Basali kop na maika senga bazwa ba engin wana nyonso e ba kenda na ngwapi na mongata e bi ferme mongata ana za nani ya mama Amida Shatir Kamere za ko produire masango on a vu la dernière saison mais basé yo na ngai o l'état sombe pa sala bukanga lonzo de ezande ba engin à l'état ya l'état bon ça il faut vérifier y a pas à vérifier qu'ils viennent conterir ils viendront pas. Non, nous on doit vérifier parce qu'il faut s'assurer. Bazo passer temps na bango na romena, c'est ka batou. Bongo détruire ma carrière à batou. Non, ici on parle pas de carrière. Awa to lobela biloko ya l'état ya peuple, mon va contribuer. Oui, mais il faut ezala vérifier. Bazou ki wana te ba contenir ko somo na société en étendue. Ce qui ba maman mi d'appart a évoluer na immobilier, secteur immobilier yebi. Aloba yango même na procès mobile na. Oui. Ba contenir wana un réseau ya omoni étendu na biwo ya kasenga wana. Ce qui est commis à Matadi, Kamere étant un directeur à cabinet, savez-vous ce qui s'est passé? Ça là, on s'organisait comme la mafia fiscale. Fraude fiscale à Mounen. Tchara, on a un conteneur, on a une étiquette, laissez passer. Président de la République, laissez passer. Maison civile, chef de l'État. Zo Kadega. Tant que président de la République, a exprimé volonté. Comme la régie des eaux n'arrive pas à couvrir le territoire national en termes de desserte en eau potable, le président Louis Batcha va forage d'abord, en attendant que la régie des eaux soit moyen à Rosal. Là, le problème est bandi. Parce que ce soir, il y a 5 ans raté. Parce que vous voyez, en violation, il y a une procédure sur la passation, il y a un marché public. Parce que juillet, qui va même pas François Roubaud, parce que le ministre du développement rural, bah il a signé mon cadre. En procédure d'urgence, on va décaisser 80 millions de dollars. Pas ton forage. Mais le problème, c'est ça, ton forage. Le problème, c'est sur le coup.
Premier contrat bâtier forage moko, 397 748 $. On a excellent, Makambo, ministre des Finances, il y a mon cas, il y a top. Il y a mon cas, il y a top. D'ailleurs, il y a qui a 297 000, c'est à cause de lui. Parce que c'était 397 000. Des ministres habitent, il y a des gens qui ont été arrêtés. Tout ça, il y a 297 000. Non, on a les commentaires personnels, justement, parce que on va lire le point de vue du ministre. Il a promis une réplique foudroyante. Il y a aussi ça dans ma commande. Le cabinet va sauter ton forage. Oui, cabinet Mubimba. Consulté par moi et les autres. Ce qui forage au Tongi à cher makata ba milliers urbains, c'est 10 000 dollars. Oui, justement, à Kinshasa, forage, ce qui est humain, rebelle, tokoki koutia. Exagérons jusqu'à 12, 13 000. Exagérons. Si vous avez un cabinet, vous avez 11 000 $, c'est que vous avez escroqué 1 000. Mais la Kinshasa, ça dépend, il y a profondeur. Quand on habite, quand on habite plafond 10 000, ça dépend, c'est la profondeur. Profondeur à Souka. Ce que c'est que vous avez un millier rural, vous avez un déplacement matériel, ce que vous avez cher, c'est 25 000 $. En tout cas, j'ai fait faire un forage à 4 000 $. Si en scellé, ça c'est la sécurité. Ouais. Bazwimbongo wana. Babimisi yango. Basali ba forage te. Moins de 12 forages. Irié, forage mon baketcha yango côté ya Douma. Ta papa Kizenga. Bi faire mané za nan. Président cour constitutionnel. Forage bozi na bakabe ya kamwanga. Forage bozi na bangi pese na kati kuna. Forage bazo na ba village na bisuna na ba yakoyo na ba ariwara na ba aru mais forage s'est retrouvé na ngona ferme après la corruption. Non, eco servir fermeté, eco servir population bazay kuna eco ki kozala juste ferme une coïncidence. Ça ferme. Ba tenant on a quatre ya ferme, une ferme. Parce que le président de la cour constitutionnelle ne manque pas d'argent quand même. Bango mogo erbazo lo ba place ba tongi bangonde ba cité. Bisoté. OK. Ba souki wanati. Mais on a eu qu'ils ont construit quand même une trentaine de forages. C'est faux. Tu as ça 9, 4, 5, 6. Ce qui est sérieux, c'est qu'il y a 9 à Kinshasa. C'est pas bien que j'ai eu un peu. Peter Tsiani, Yves Bouya, Maman Paulette Bouya, pourquoi vous filmez 9 ans? Parce que 89 millions de dollars. Plus de 80 millions. Plus de 80 millions. Donc, une pièce, un prix d'eau à 297 748 $. En temps normal, ce qui va salir à Kango, à 10 000 $, à ce montant-là, on pouvait avoir jusqu'à 30 forages. Basuki Wanate, toujours Maïka Singh. Koutou Wana, avant Batouan Bazuyango, Maïka Singh a yébine ex-moussala va forage. Mon forage, à Salate na vina, yébine mambouanate. Pour mon akop, de Babiga, le roi yoban a raté, yonne zala signé. Ah, on est là-bas, comment est-ce que ma rose va monter à salaire? Et ça, on a la mouille dans ton mot. Comment est-ce que tu as voyé dans la vie? Bon, tu es dans la mouille dans ton mot. Tu es dans la reportage. Tu es ni journaliste ni caméraman. Mais là, tu es là. Tu es là. Non, mais quand tu as une entreprise multiservice qui offre plusieurs services. Si tu as un théâtre, un mogo, un congolais, un mogo, un mogo, un mogo. Quand tu as un marché, tu as un Nicolas Gazadina, un caméra, tu as un mouton qui a un forage à l'ébanité. Oh, la loi sur la passation de marché public, c'est clair. Pour appeler sa société Moussala, il faut Azala, dans 5 ans, dans le secteur où il y a associé un marché à gagner. Ça veut dire qu'il y a un petit service, mais est-ce que 5 ans avant, Maïka Singh a salé forage? Non. Il était dans la construction et dans tout ça. La société a salé un forage. A quelque chose que Lucas a encore payé, mais il faut que Lucas a forage. Dans la confusion, parce qu'il y a Amadou Djabi. Oui, à Betty Zagi Wenge. Ok. Oui, avec club, non? Oui, à Vita. Amadou Dabiaza, Congolo Guinéen. Baye Naye. Moukande Zali, pour la contrat signé entre Steve Construction na Mansa Music. Yora ka, yora procédé avec Mansa Music. Donc, musique na forage, ils ont lien. Musique na forage. Bon, comme on dit, on va vous dire que c'est une entreprise générale qui produit la musique. Amadou Djabi, si vous n'avez pas tel, il y a un cop. Il y a un cop.
Ouest africain le là il malien moko Samba Bacheli. Samba Bacheli si go yo. Moi bas ouest africain bah y a bas armes à ça on est plus à forage n'est na Kinshasa wa. Parce qu'il y a yebi moi secteur. Ndio zo bona moke ke forage ba lo ba tongi wa. Donc yo singa matembele. Tout bon. Mais là dans le balon si go ah ok. Donc au monichen. Donc mais on a tellement parce que à la suite à ma vidéo Oyo ndeko Israël Mutombo a sali parce qu'il a dit na makamwana il a même temps on a tenté de le corrompre. Ministre des Finances sortant ndeko Nicolas Kazadi promet une réplique foudroyante. L'équilibre ndeko Marley vous voudrez que na tanga muke makamwa ndeko Nicolas Kazadi alobi. Alobi boye. Chers compatriotes, ceux qui ont appris à me connaître depuis que je suis associé à la gestion des affaires publiques savent que je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités ni la vérité. Ah bah qu'ici. Parce qu'il est urgent d'en finir avec tous ces folklores qui a tant retardé et avili notre pays. Parce qu'il est important de montrer à la jeunesse congolaise qu'il existe une manière saine et honnête de faire de la politique et de vivre sa vie. J'ai décidé, voilà Nicolas Kazadi, d'exercer personnellement mon droit de réponse à Bosolo na politique et aux autres médias. Il poursuit en disant, ma vérité sera totale et ne sera pas sans conséquence. Voilà, on a évité ce qui a coquiné en justice. Notre pays mérite mieux que des politiques des caniveaux et des luttes de pouvoir sans foi ni loi. Notre pays a besoin d'actions positives, des personnes et des leaders positifs et surtout des résultats concrets et transformateurs. C'est pourquoi nous ne cesserons de nous battre pour l'avenir radieux de ce pays et nous ne laisserons personne détruire le travail important réalisé depuis quelques années sous la houlette du président Félix Tshisekedi. À bientôt. Alors, bien réplique, Naye, et Kozala, total et sans conséquence, et ne sera pas sans conséquence. Ce n'est pas un problème, ça ce sont des menaces. On lui pose la question. Parce qu'Alobi va vilipender et mine. Va vilipender te. Andima qui n'a top Congo que contre seulement qui par forage. L'émission existe. 297 000 $ forage. Il a dit. Pas très loin dans ma cambo, tu gagnes dans l'école, moi, dans Boujimaï, qui faisait autour de. Millions, mais. Oui, c'était 2 à 3 millions. 2 à 3 millions, mais 6 salles de classe. Mais il a accepté la top Congo. Tony Makassitos et la Cassia Salah. Oui. Pas de réponse. Dans une démocratie, on ne menace pas. Bon, il sent ici que son honneur est touché. Non, son honneur est touché parce qu'il est en train d'exercer les fonctions publiques. Il doit rendre compte. C'est ça la responsabilité. C'est ça la redevabilité. Alors, plainte, si que à reporter, on n'est pas contre Ndeko Sango. À reporter contre Nani. Aucun problème. Dans tous les cas. Aucun problème. On ne peut pas voir des dirigeants à chaque fois que le peuple réclame vérité. Bah on va prendre sa rage justice. Mais il va aller dans quelle justice parce que la justice est malade. Il va aller dans quelle justice? Non, lui n'a pas dit qu'il va en justice. C'est pas dit ça. Ce sont les mêmes magistrats que Nicolas Kazadi n'a jamais payé en procédure d'urgence. Comme il a payé Kassenga. Alors, dossier Moussou. Qu'est-ce là? Azumbong. Maintenant, où est-ce que l'IGF est intervenu? L'IGF, au Ebi Serimogo, Batindaki Banke, inspecteur à l'IGF, dans le ministère de la Finance, au Nicolas Kazadabagi, Baziate, Bazana Nivote. C'était à cause de ces dossiers. Bah, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous pressez Bandi, il y a l'IGF, il y a lobby que le matériel va somba et quand on a un à Matadi, il faut pas sa bangombo, on ne peut pas dédouaner. L'IGF va répondre non, il n'y aura pas sorti d'argent des caissements. Pourquoi? Parce que déjà, on les a clarté. Est-ce que Mongo Mbappé Saki, dans le contrat, ça comprenait oui. le boulot à faire, le transport de matériel? Selon l'IGF, ça comprenait tout. Mais Bango, Juyango, Soubassaï Nangoni, Bango Sengadé, là le problème. Le problème, c'est que Bani. Malamongo batche moutou yaji la lingette à vendre à $50 000. Il y a des journalistes qui ont reçu l'argent pour taquer à lingette tout ça. Nous disons ceci. Ce n'est ni problème d'Alingetti, ni problème de Nicolas Kazadi. Le problème, c'est la res publica. Nous voulons voir clair. Alors là, vous avez deux poids lourds de la mouvance qui se battent sur la place publique. Sur fond des millions de Congolais. Voilà.
Mbongo ya yo yanga mbongo na pouvait servir à construire plusieurs écoles, hôpitaux, bah centres de santé, communautés. Mais voilà, on est ici maintenant sur ce plateau, nous on le mbaidi yango. C'est ça la lingala, poto tcha on a français détournement to embrouiller ba congolais. Baibi yango. Basuki wana te grave. Bakezwaka même Mike Asenga wana. Bake pese marcha ba lampadaire. Acha ba lampadaire na Kinshasa. Oyo Ngobila tiaki ou bien baba ki sa musu. Oya ba Ngobila te. D'abord dans cette affaire, ils ont isolé Ngobila. Talan de grand mafia. Bazo exécuter na bacteur aux en charge provinciale. Mais ba isolé gouverneur. Donc go va yebite. A yebite marambo. Mais go veut pas ça bi misa mongo te pona ba lampadaire amo. C'est là que nous noter. Go va yebite. OK. Koto ba bi musi 13 millions plus de 13 millions de dollars pour 1328 lampadaires. Tout le monde a lampadaire, mon bâtiment combien? Combien? 5000 dollars. Yosa, bimaga la fait du commerce. Et ça, vous avez rechargeable, on a fait un petit panneau, tout ça. Parce qu'en haut, pour tout en haut, il n'y a pas panneau. Bimaga, il y a cher 1100 dollars. 1100? 1100. Ah, vous avez joué, c'est bimap, au canipé photo, l'eau, bientôt d'action au bâtiment. Kassibango, so bakissi mes d'œuvres, au bakissi banini, tout ça. Wana achat, lampadaire, mon 5000 dollars. Bazu 13 millions. Oui, bah tiens, lampadaire ka wap. C'est bah tiens 12 lampadaires ne lengé ça. Elengé ça oyo ngobila tongi. Eh. Et tant la tongi ça qui m'indate. OK. Bah tiens. Tout ça c'est la réponse pe ya ngobila. Oh! Pomona geza détourné mais ça qui moyibi. L'éclairage public gouvernement central a robi misela mbongonté. Pourquoi? Parce que nous payons l'éclairage public, oui. N'a pas parti à SNEL. La SNEL, justement. La SNEL, selon l'enquête, chaque fin du mois, la SNEL forfaitairement, parce que la SNEL n'a pas parti à SNEL forfaitairement, pour la compter, après ça, la gouverneur 400 000 dollars pour l'éclairage public. Même si ça a bongo bongo, mais bon. Donc le même dossier, Ngobi Labimi Simbongo, SNEL à la SNEL. Le même dossier, Mike Kassenga et c'est Jean Babimi Simbongo. 13 millions. Mais Minango est à la paix. Parce que la question est à la paix. C'est la bande qui est à la paix. Bon, on attend, que le ministre des Finances s'exprime. Peut-être qu'il nous donnera plus d'informations. Entre-temps, le pays n'a pas de logements sociaux. Nicolas Kazan est en train de construire des cités à l'extérieur des règles. Non, nous avons vu des photos. Mais nous prenons ça avec beaucoup de réserve parce que non, je vous dis, avec, sur Internet, il peut se raconter beaucoup de choses. Il est en train de construire encore une autre cité à Wana Point Noir. Ça, il faut certifier. Vous savez que sur Internet, on peut vous sortir des images qui oh, ils ont mis mal à contexte. On nous a dit qu'il a une cité, ceux qui ont fait du Sud, ceux qui ont appuyé. Ça, nous attendons. Il faut qu'on vérifie. Cité, M. César, à Wana Point Noir. À Point Noir. Kokata, à 20 dollars, aller-retour, 40 dollars, canon rapide. C'est OK. Faut mais la personne des informations. Avant, on paye ça, faut qu'il y ait des hôtels. Mais le pays n'a pas de logements sociaux. Bah, sinistré, attends, on a quoi, bah, bâche, exacté. Nous parlons des millions ici. Il faut maman, waro, abima, que, au tika, moi, biloka, golia. Mais de l'autre côté, le responsable, bah, tout, ils achètent à Bango. Ils achètent à l'extérieur, ils construisent des cités. Ah ouais. T'as là qui s'assassinent les communes, les athées. Monsieur Nicolas, la ville est menacée par des têtes, plusieurs têtes d'érosion. Évidemment. Baba fonctionnaire, non payé. Batouba foutamité, la vie est devenue intenable dans la République de moitié du Congo. De l'autre côté, l'Est de la République, Lelo, plus de 100 morts na Ituri. Misouba Koundi Bango vivant, Misouba Brilé Bango. On a besoin d'argent en urgence. Mais Nicolas Kazadi prend 27 millions. Paye à son cousin en urgence. Si Nicolas Kazadi est reconduit dans n'importe quel poste portefeuille à l'État, c'est que l'ennemi de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais il ne suffit pas qu'on t'accuse pour que osala coupable. Oyebi lelo, bakoki clameur public et koki ko accusé moto condamné pendant qu'azali innocent. Tokoze la apé sa version na ye. Mais le problème, dans un pays sérieux, il fallait qu'il bango à Kamere. Bec de ce chargement public. En attendant, le parquet devait aussi se saisir plus vite dans le dossier parce que ça a des acclamations publiques. Et justement. Non, pas à interpeller Bangote, mais à approfondir l'enquête d'abord. Mais ce que nous.
Le parquet ne le fait pas. Ça, on sait que Esaïe Makamba est grand, les grands qui se battent. Mais bon, on a ce qui est bimi. Attaque beaucoup lié, attaque beaucoup ça la réponse. Bosala, bosala, nambouté, bosala, parce que vous êtes laissé une importante marge. Bénéfice, rétrocommission et tout ce qui peut aller avec, on n'en sait rien. Mais bosala, bosala, botia quand même minda. C'est au. Mais Bon, 1 400 000 quelques millions. Dans ce pays, on parle toujours des millions. Balobi, ministre, balobi, t'es. Mongo, ezako destination. Contrat, oba, signaki. Ezako, tamola bien, t'es. En deux minutes. Donc, c'est une Transco, esa entreprise en banqueroute. Cette entreprise, on doit identifier le patrimoine en haut. Ba teki en haut. Ba fouti, ba dette sociale. Ba créer société mouzouzou, na ba nouvelle base. Parce que le diable est Kabila. Tant que tu sais qui Transco, on a. Le contrôleur existait, la subvention à carburant était permanente, les salaires étaient permanents, tout existait. C'était une entreprise avec honneur. Aujourd'hui, dans la Transco, dans la fierté, dans la matinée, bis. Mais aujourd'hui, Transco, et Kabila attend un salaire qui est en haut, les diables, les démons de la République, un salaire qui est en haut, on a demi terrain. Kabila, un salaire qui est en haut, Ropengaba, hôtel de ville. Ipen, hôtel de ville. Mais les lots, sous régime ba Angelou transcrit comme ça là ngaba victoire cette ligne n'existait sous le diable Kabila demi terrain on est acquitté mais sous les anges demi terrain côté yali bosu ami balé les lots sont que na transcrit même magasin ezaka souti donc Kabila ça là qui yango on achetait des bis avec des pièces à réparation dans en réserve mais aujourd'hui ezaté. Sauf qu'on a Transco, les lots, les gens qui ont acquis plusieurs mois d'arriéré. Sous le diable Kabila, ils ont acquis. Tout ça, c'est le dossier de Mikolo. Il y a un autre expliqué. C'est-à-dire, cette entreprise, si c'est un outil dans le souk, les lots se retrouvent dans la banqueroute. Comme, si on a signé à Vinda Mounambo, on veut maintenant qu'on ait maquillé le cadavre. Habiter, il faut que ça la netise, qu'on identifie, qu'on retrace la bis. Que ce bis a transporté ça la ranga la victoire, et je ne sais pas où se jouer. Alors il faut numériser. Ils vont aller chercher une entreprise, Samiret, Salmec, Suisse Salmec. Et par contre, il y a un contrat. Signé un contrat dans le mois d'octobre 2023. Dans la phase expérimentale. Tout le monde comprend ce que c'est une phase expérimentale. Basal y a 30 bis. Écoutez, Mamoko, 1 400 000 dollars. Mais s'il faut numériser maintenant les 400 bis qu'a Transco, nous serons dans. Bon, on a aussi à foutre y a bien faut qu'on foute en dé. Maintenant, ce qu'on faut qu'on foute. L'entreprise 30 bus à peine, il faut qu'on foute la moins 1 million. 1 400 quelques mille dollars. Ou bien la facture comprend l'ensemble de sa numérisée. Bah, ça bien amikanda, la phase expérimentale. Le DGA s'oppose. Il dit, dans la phase expérimentale, donc, bon, bah, la question, bah, ça, la potopé, ça va, bah, on est marché. Mais tu crois qu'on fout ta tête? Le ministre a dit, le contrat n'existe pas, il ne faut pas payer. Oh, le contrat existe bel et bien. Signé entre Transco et cette société. Et cette, d'ailleurs, société où on a un bureau, on a une carte à siège à Transco. Ok. Ce qui compte, c'est à tenir le ministre à l'Oba. Comment est-ce que cette entreprise peut avoir un bureau, une carte à siège à Transco? Donc, bah, ici, que Transco a commencé à location de bureau. Je ne sais pas le débat. On a toujours compris qu'il y a un débat. Bah, même, oui. Le ministre interpelle. Et le DG, Cyprien Béret, le comité de gestion, ils arrivent là-bas, les D, chassent les DGA. Les D, Babimusi DGA, dans le bureau. Ministre dans le DG.
Comme déjà, à l'obagi que l'entreprise n'a pas d'argent et puis sa phase expérimentale, on ne peut pas payer l'argent dans une, pour une phase expérimentale. Il faut checker si tout le monde va salir bien. On leur donne le contrat. Mais avantage d'une transcoise à l'envoi, alors qu'on dépensait plus d'un million de dollars pour, entre guillemets, digitaliser Busnaye pendant que son personnel est impayé. Voilà le problème. Donc, on veut cisser un cadavre. Le ministre n'a pas trouvé son compte. Il veut voir le contrat. Et à ce moment-là, il faut monter en foot à ce temps et passer par le ministère. Donc, vous comprenez directement. Le ministre se sent isolé. Il comprend que c'est un grand marché avec beaucoup d'argent. C'est lui le patron et le secteur. Il faut être associé. Et comme le DG, a dit qu'on t'envoie cinéma abonné difforme, on ne paye pas cette phase parce que c'est une phase expérimentale. Problème, il y a DGA. Ni le DG, ni le ministre Balingi DGA. Parce que, entre-temps, oui, il faut terminer. Entre-temps, Transco et Salaran a deux vacations. De 4h à 12h, pause à 1h, de 14h à 19h. Or, Transco commence à la TIB à 22h. Et puis, tant que ça, de 19h à 22h, on a bien habillé en Anine. Ou à Teka, Ukraine, c'est-à-dire? Bon, on écoute en compte sa billetterie. On est au côté en compte. Ce qu'il faut déjà expliquer, les DG. Mais d'abord, comment le trafic s'arrête à 19h pendant que heure de pointe, au Batouazan, au Matakou, Kitako, au Tamisan, à Bango, tout ça. Non, bah, Moutéa, Junior, au Batouazan, à Barret, tu vas venir même pas à Bango, à 19h. Mais le problème n'est pas encore là. Où va l'argent au côté en Transco à partir de 19h sur 23h? Ça, il faut enquêter. J'appellerai le DGA, qui est un ami. Bon, tout ce donc, qui au moins, le problème. Ouais. Donc, tout ici. L'action publique et Zakara autour de la Tibaokan, Bambongo, dans le contrat Léoné, pour tout ça, Bambongo, tout ça, Mabumnabiso, les dirigeants n'ont pas pensé ni société. Parce que regarde la société là où nous vivons. Aujourd'hui, personne ne peut quitter sa maison propre et rentrer propre. Si les véhicules sont sur la mise, tout ça, 4 vont à Kinshasa. La ville est sale. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Est-ce que le prochain gouverneur peut changer la situation si c'est de tous les candidats qui sont en liste? Non, si c'est Déo, je crois. Et au cas où on peut faire quelque chose. Parce que quand j'ai suivi la présentation de son programme, moi je suis amoureux des gens qui savent concevoir des projets. Quand il dit qu'il faut construire une nouvelle ville, avec un nouveau plan urbanistique, avec un nouveau plan d'aménagement provincial, conformément à l'article 204 de la Constitution. J'ai dit, voilà, cette ville est couffée déjà. Même Yonanga, tout ça, d'accord, il faut construire une nouvelle ville. Mais comment construire une nouvelle ville? Il faut une planification. Et c'est ce que Déo a présenté. J'ai dit, voici les candidats idéaux. Comme en face, les Kabouya et les autres, Balingaraba bien à Congo, mais Balingara Congo, ils décident de nous amener le VIH au sommet de la ville. Le VIH, c'est-à-dire? Le ticket Bumba est dit Yeli. C'est vraiment du pur sida au sommet de la ville à Kinshasa. D'abord, Daniel Bumba. Toute sa vie, il est à la première Moussalanaï. Parce qu'il était dans le trafic. Parce que. Ça déjà député, non? Mais c'est première Moussala. Donc, à l'hôtel de ville, si on s'en tient à Makambolobi, à l'hôtel de ville, ce sera le deuxième. Déjà lié au CGT. Je ne connais pas son CV personnellement. Déjà aligné au CGT. Donc, à Rosane, premier Moussane, à l'hôtel de ville. Déjà. Il était dans un. Parce que le monde m'a publié au comité LGBT France, et lobby, marginalisation, sur Déo Kassongo. Et bien, lobby Déo, tout ça. D'ailleurs, Déo qui a fait publier, enfin, lui ou l'Internet, Twitter s'est enflammé hier soir. Abimisi ba échange commentaire à Salaka sur un poste il y a Ndeko syndicat de Kono en 2020 au mois de mai. Déo s'opposait à l'homosexualité. Pays où il n'y a pas d'intelligence. Déo a fait ses preuves dans ses affaires privées. Cette expérience manager, parce que la gestion publique aussi managériale. Oui. Il faut avoir une intelligence, une vision, être un grand manager. Entre les deux là, sous-traité de Kabouya et Déo. Qui est manager? Donc, on veut politiser à la place où on a besoin de moutoir ou changer de conditions. Il y a environnement, il y a ville, il y a un label.
Dieu a un programme, je vous ai dit. Ce qui m'a retenu chez lui. Évidemment, il y a un axe sous sa programme et qu'il publiera bientôt. Moi, j'ai cherché le candidat qui va penser à la création d'une nouvelle ville. Parce que vous ne pouvez pas avoir des idées sur quelque chose qui est déjà mort. Kinshasa et Koufi. Il faut une nouvelle ville. Et Deyo a cette idée avec un nouveau plan urbanistique, avec un nouveau plan d'aménagement provincial. Alors, ce sera aux députés provinciaux de décider. Non, aux cités, on a. Mais bazo ça là-bas, député pression, pour voter le VIH dans le sommet à Ville à Kinshasa. Bon, procureur à Lobby, il n'y aura pas de caméra, pas de téléphone. Procureur à Falaki, à ça la banquette, on a a priori. Parce que ce qui dit, parce que déjà, procureur fait interdit là, on a Kabouya, dans le groupe Nabango. Ils ne peuvent pas intimider des élus du peuple. Le procureur était où quand, lorsque les élus étaient intimidés. Les élus ont été intimidés devant nous ici. Donc, Kabouya le avec moralisation des troupes, ça n'avait rien d'intimidé. Tu promets d'invalider, tu n'es pas justice ni procureur. On pouvait, à le procureur, il pouvait interpeller Kabouya pour usurpation du pouvoir. Il est qui pour invalider les députés? Alors, Batouyabon, on est basé au Canada, il va gérer ville. Tu crois que c'est Nadaro Loba, Daniel Bumba, Azaki Naba Vente, Oyo Babilo, Oyo Babé, qui ça? Ivoire. Son Akosi, Aro Loba, Gena Kosi. Il ment sur des Bamba LGBT. Maintenant, nous savons nos vérités. Daniel Bumba, Azaki Naba Vente, Naba Trafic, Yaba Ivoire. Oui, les amis, révélation, Moko Sali. Mais là, Azawana Yebi, Yango. On apporterait la responsabilité. Et voter Daniel Bumba, c'est déplacer les boîtes de nuit vers l'hôtel de ville. C'est vraiment déplacer le boîte de nuit vers l'hôtel de ville. Ça, c'est l'hécatombe. Non, je crois que... C'est la vérité. On peut faire un autre débat. Parce que, même si on a sait, quand ils ont publié une bêtise créée sous le bois délimité sur Deoka Songo, c'est-à-dire, on doit tout dire. Bango Bakosi, mais nous disons la vérité. Bien, allez. Ozui et Diyeli, ils disent que c'est le papa social. Voilà la raison encore. Quand le pouvoir cherche des individus pour résoudre le problème de la société... C'est-à-dire, l'État est dans l'arrêt. Comment Bokoro Lobake, Jean-Pierre Kayembe, papa social, Akabola Rabilo Garolia. Donc, vous maintenez le peuple dans la pauvreté, vous volez de l'autre côté et venir et revenir en bon samaritain. Non, il faut trouver des solutions. Tout le monde a des questions. Comment est-ce que Edi Yeli, Akuma papa social, pas comment Nambon? Je regrette Moukébaï. Je crois que c'est la raison pour laquelle on retient Moukébaï en prison. Edi Yeli est devenu riche par la mafia dans la ville pauvre de Kinshasa. C'est vraiment un cartel. Donc Edi Yeli n'est pas différent à Pablo Escobar. Tout dans la polanime. Ils allaient dans la ville Oyo. Même Pasteur Godé Poya, Azaroté le Edi Yeli. Ah, bah député, bah foutez mité, financer la ville. Au moment de vanter. Qu'est-ce que Edi Yeli faisait? Banda qui m'a dit à Gentini. Baroya, bah il va retourner ici. Oh colonel le Béa, Tombaloubaï. Bah retourne Tombaloubaï, baby, ça nous demande 4 millions de dollars. La ville dit, attends Mbongo, qu'elle n'a pas d'argent. Oh en réalité Mbongo on est à quelle sa ville? Bah au Bimisa on a quelle sa ville? Bolobaté qui bah Ibi, bah il va pêcher on Edi Yeli. Edi Yeli a juste quoi même Mbongo on a. Ayez na on est à Bimé créancier à ville. On a l'oba. Tous les députés, bah, les provinciaux, les gars, les bien. Les Magloa, Kabemba, tout le monde va bien. À défi civil? C'est bon, il y a ville. Bah, dirigeant la ville, il y a bon, il y a des pas ça à Moussala. Alors, en réalité, bon, il y a. Parce que pour pas ça, la mafia, il y a bon, il y a des gens qui sont. Parce que quand même, bon, on a des gens qui sont. Mais on va demander des comptes, non? On va demander des bon, il y a des gens qui sont. Il y a quand même, parce que quand on a des gens qui sont créés, on va créer une ville. On a des gens qui sont. Deux fois, on a des gens qui sont dans le bureau d'échange, il y a des gens qui sont dans. Deux fois, aux yeux, individu à Fouti. À Fouti, va dire. À Fouti, député. Oui. Le temps que gouvernement. Eh, bah ça, on a un bon côté. On a expliqué côté. Donc, il y a un député qui est député. Il y a un gouvernement central. Mais bon, il y a un député qui est député. Parce que il y a un gouvernement central. Il y a un député qui est député. Il y a un déficit. Ville. Ville ou bien assemblée provinciale pour ne pas foutre un député. Si on ne fout pas ça, bon, ville a un gouvernement avec intérêt à 100%. Je pense que c'est un gouvernement.
Tu as besoin de 100% et dit il a 30% intérêt, 70% tu as le colo bakaboli. Tous les députés professionnels et législatifs sous Roger Ntsingi, na oyo ba yebi yango. Peso va na bango na privé ba lo bara yango. Tu vois muto bango ba lingi bacha. Ça dit on veut mettre la mafia officiellement au sommet. Émission ici. Pourquoi Bakanga Mikaka a dit Yelina Daniel Bumba? Pourquoi? Deux choses. Il y a 28 millions de la ville à la Sophie Bank. Bakambo a marché central. Central. Sikoyo balingi parce que le menace contre Gentini tant bah nous suspendre rien, c'était à cause de cet argent. Il y avait rien à mambo élection. Parce que Badotcha ba dit Yeli pour la Rwanda Bakabola yango. Raison pour laquelle le Moningambo va Peter Gazadi mudanga cha batune bata 4 AC balingi bango ba cha président assemblée ou baza la réformer na mama bala Rwanda entre temps baza déjà na mukanda bazuru baki edi yeli a défis sa ville 4 millions de dollars. La mon ville lui doit de l'argent. De l'argent, 4 millions de dollars. Mon nom la lobby, mon est parti où? Vous êtes un grand journaliste, un gardien. Bako manana, une année. Chole obi. Merci. Merci. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de suivre cette émission riche en révélations. Motor Montazu Parnaye. La roue est qu'au Sengageto, ça là-bas, contre-enquête. On va enquêter. Et vous ramenez de nouveaux éléments. Portez-vous bien. Bonsoir.